Nandito ako sa tuktok ng Kassel. Oh my god, ang ganda dito. Ganda. Look at that. I still have to go up over there. But yeah. Solo flight natin to, guys. Everybody's downstairs, like us. I don't speak French, so they just give me the booklet. Ta-dang! Yeah. So I can explore on my own. Yeah. So it's here, it's mandatory that you have to wear a mask. Ang ganda dito. Kasi sumama yung isa. Ayan. Mag solo flight tayo. Karantik Island. It's the best. Karantik Island is the best. I still have to go upstairs, guys. But yeah. Good. Yeah. I'll go upstairs. Thank you. Okay, no?
Tout l'aimant. Pour mettre tout. Hein? Un aimant avec quoi dessus? En bas à droite, et on aperçoit aussi que ce rocher est peint en blanc.
Alors une petite question, pourquoi ce rocher est peint en blanc et comment cela s'appelle? Alors comme l'a dit, le monsieur en haut, c'est bien un alère. Alors un alère, c'est quoi? Alors, c'est pour information, ce sont des cormorans fumés. Et c'est bien un alère ce rocher. Alors un alère, c'est quoi? C'est un rocher comme celui-ci, pas en blanc. On va aligner avec un autre alère que je fais ici, c'est de retenir sur notre bâbord, donc bien à gauche, au-dessus d'une plage, en dessous d'un pin. On va les aligner tous les deux, cela s'appelle un alignement. Cela nous permet de bouger les rochers. À la mode des poissons rouges. Ah, parce que regarde, il y a là tu vois, là tu as les rochers à fleurs d'or. Sinon, pas si bien. On risquerait de percer le bateau. Du coup, il faut passer par ici, faire le tour de l'Ilouette et revenir à gauche. Et tu vois, là, les câbles qui sortent de l'eau, les câbles pour alimenter l'île. Ouais, il y a des câbles là, sur les rochers. Les câbles pour être. Et maintenant, je vais attirer votre attention presque droit devant nous sur notre avant-gauche. Nous retrouvons un phare en plein milieu de l'eau. Alors ce phare qui se trouve droit devant nous et dans quelques instants, il va se retrouver sur notre avant-tribord, donc l'avant-droit du navire. Vous le connaissez sûrement car il a fait la couverture d'une BD de Tintin. Alors Hergé venait passer ses vacances ici, juste derrière ce phare, sur la côte de Plouizot. Et il a donc décidé de dessiner ce phare qui a fait une BD mondialement connue. Tintin et le phare de l'île Noire. Et ce phare aussi verra accueillir dans quelques années quelques petites couchettes. On pourra louer ce phare pour un petit week-end. Et maintenant, sur notre avant-bâbord, on ne peut plus louper si bien le château du Taureau. On va y accoster dans quelques instants. Alors je vous dis bonne visite à toutes et à tous. Et à tout à l'heure, je laisse la parole au capitaine. Merci. Merci Théo, on approche du château, on y accoste dans quelques instants, soyez très prudent au débarquement, attendez bien que le bateau soit complètement immobilisé et que Théo vous fasse signe de débarquer. À l'issue de la visite qui dure environ une heure, vous pourrez entendre tinter la cloche, c'est qu'il sera temps de réembarquer. Bonne visite à tous, profitez bien, à tout à l'heure pour le retour vers Carantec. Un quart d'heure. Un quart d'heure.